voilà plusieurs semaines maintenant que le Doubs souffre de la sécheresse, entre Pontarlier et Villers-le-Lac. Mais pour commencer, je vous propose d'aller directement à la source du Doubs, à Moutes, pour comprendre réellement ce qui se passe. Il faut savoir que, jaillissant d'un siphon de 55 mètres, la source du Doubs, perchée à 940 mètres d'altitude, donne naissance à une rivière de 430 km à Moutes. Nous voici arrivés, allons vérifier le niveau d'eau de la source. Effectivement, la sécheresse est bien passée par là. La source du Doubs n'a plus d'eau, comme on peut le constater. Regardons ces images qui ont été enregistrées l'année dernière à la même période. La différence d'eau reste sans appel. La source du Doubs était de toute beauté, n'est-ce pas? Revenons à notre source du Doubs de cette année. Je longe cette fois-ci les berges de la source du Doubs jusqu'au petit pont et je constate qu'il n'y a vraiment plus beaucoup d'eau pour alimenter le Doubs. Maintenant, laissons la source du Doubs et rejoignons le lac de Saint-Point pour vérifier le niveau de son eau. Le lac de Saint-Point s'étire sur une longueur d'environ 7 km pour une moyenne de 800 mètres de large. Il est traversé par le Doubs, c'est un véritable réservoir pour la rivière du Doubs. Cependant, suite à la sécheresse, le barrage du lac de Saint-Point semblerait ne plus assurer correctement sa fonction. En quelque sorte, je dirais que le barrage est une véritable passoire. C'est pour cela que je vous propose tout à l'heure d'aller vérifier le niveau de l'eau du Doubs à Pontarlier. Pour l'instant, arrêtons-nous à Saint-Point pour vérifier le niveau du lac, c'est cela qui nous intéresse. Effectivement, je dirais que la masse d'eau du lac est descendue à plus d'un mètre. Si on compare à juin 2020, vous pouvez constater que le niveau du lac était bien plus haut. Mais malgré tout, le lac de Saint-Point est loin encore de se retrouver à sec. Et les activités nautiques fonctionnent très bien en cette période.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quittons le lac de Saint-Romain et allons voir le niveau du Doubs sur Pontarlier. À mon avis, son niveau ne doit pas être très haut. Nous sommes à Pontarlier et effectivement le Doubs est au plus bas comme nous le voyons. On peut observer quelques variétés de poissons. Mais attention, par un arrêté, la pêche est interdite jusqu'au 18 septembre prochain. La Fédération de pêche du Doubs l'avait demandé afin de tenter de sauvegarder la faune piscicole sur les secteurs les plus sensibles. Cette fois-ci, nous allons suivre le Doubs jusqu'à Morteau, en empruntant la départementale 437. Nous sommes à Arson et, première constatation, le Doubs est presque à sec. Un peu plus loin, je m'arrête et le Doubs est complètement à sec, juste des pierres, ici et là, dessinant entre les berges un long chemin rocailleux. On arrive à Maison du Bois Lièvremont, il semblerait avoir un peu plus d'eau. Mais en regardant mieux, il ne s'agit que de quelques nappes d'eau qui, malheureusement, si la sécheresse persiste, elle risquerait de disparaître. Je vous propose une petite halte à Mont-Benoît, située dans la République du Saugeais, afin d'admirer l'abbaye de Mont-Benoît. L'abbaye de Mont-Benoît, fondée au XIIe siècle par le sire de Joux, est l'ensemble religieux médiéval le mieux conservé dans le Doubs. L'eau, source de vie, à ce qui paraît la fontaine de l'abbaye de Mont-Benoît, ne se tarit jamais. Nous sommes à Ville-du-Pont. Ici, les poissons meurent au fil des jours. Quelques nappes d'eau subsistent où se terrent les derniers spécimens encore en vie. Mais pour combien de temps ? Il faudrait un véritable miracle pour que la pluie revienne au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. On peut percevoir ici le stress des poissons et je trouve cela bien triste. Allons cette fois-ci vers le quartier de Pierre, à Langeville. Le Doubs devrait être complètement à sec. Nous verrons.
On sent maintenant au quartier de Pierre la Langeville. Un spectacle de désolation s'offre à nous. L'assèchement du Doubs est quasi total. La vie s'est évaporée dans un silence pesant. Sous un soleil intense, je sens comme un malaise. Comme une lueur d'espoir, la vie réapparaît d'une étrange manière. C'est complètement surréaliste. Avant-dernière étape avant Mourteau, nous allons faire une petite pause au Remonod-les-Combes. Une petite surprise nous attend. Nous sommes accueillis par le son du clocher de l'église, et miracle, il y a un peu d'eau. Pas beaucoup, mais cela fait plaisir à voir. Je vous ai promis une surprise. En fait, il s'agit d'un joli clocheton habillé de cuivre qui possède un carillon de 20 cloches. Je vous laisse écouter. Nous voici enfin arrivés à Mourteau. L'eau du Doubs est présente, mais son niveau reste très bas tout de même. Un goéland nous attend, étrange, en sachant que ce sont des oiseaux de mer ou d'océan. En réalité, ils se sont parfaitement adaptés à notre région. On peut observer un banc de gros poissons qui certainement fait l'objet de convoitises pour notre ami goéland. Un couple de cygnes vient se mêler à la parade. Va-t-il oser descendre cette pente très glissante? Observons. Oh, il a réussi et il a l'air content. Tiens, voici l'autre compagnon qui se lance à son tour. Va-t-il réussir lui aussi? Eh bien oui, ce sont de véritables champions de la glissade. Ils s'empressent de rejoindre son compagnon. Notre ami goéland a l'air de bien s'entendre avec nos deux cygnes.
loin, nous pouvons observer un quatrième oiseau. Il s'agit d'un héron cendré qui attend à son tour son repas. La vie foisonne et pourtant elle reste cependant extrêmement très fragile. Nous sommes maintenant sur la route de Morteau direction Villers-le-Lac. Curieusement, à la sortie de Morteau, des algues vertes recouvrent le tout quasiment en totalité. Et cela est dû certainement à la pollution. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce la faute de l'homme ? Ou est-ce la nature qui se joue de nous? Quoi qu'il en soit, la sécheresse reste une problématique auquel nous aurons à répondre. Comment trouver un équilibre dans de telles conditions? Il nous faut dès à présent réfléchir à toutes ces questions.